On m'a dit de me présenter à l'entrée. Je m'appelle Hazel Klein. Il y a des fausses invitations qui circulent. Vous êtes en retard, mademoiselle. Je suis désolée, mais j'ai mis 2 heures de Paris et je suis venue à pied de la gare. Excusez-moi, mais pour mon salaire, vous savez à qui je dois m'adresser? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Madame sera très généreuse. Vous avez d'autres chaussures avec vous? Non, mais je peux les nettoyer. Dépêchez-vous, mademoiselle. C'est pour une œuvre de bienfaisance, c'est ça? Oui, les orphelins de guerre. Dépêchez-vous. Ça te donne pas envie de foutre le feu, tout ça? Tiens, regarde, c'est la reine mère. Elle est riche? J'espère, oui. Qu'est-ce que c'est, Séraph? C'est Endel, mon petit Kirill. Endel? Endel. Alors là, Endel. Avez-vous quelque chose contre la poésie, chère madame? Mon Dieu, non. J'en écris moi-même. À la bonne heure. Kirill von Priest. Les dessins aussi sont de moi. C'est très joli. Ça vous dirait d'investir dans une galerie, princesse? Bonjour. Bonjour. Ah ben oui, c'est bien plus élégant. Merci, mais je dois chanter. Lucien Beaumont. Beaumont? Chut. Je suis ici incognito. Je connais votre nom. Vous avez écrit des choses très injustes sur une de mes amies dans votre journal. Alice Gervini. Ah oui. Elle chantait comme une grenouille, non? Ça l'a fait beaucoup souffrir. Et non. Ça lui a fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'elle a chanté tout ça? En fait, Madame Dumont est venue m'écouter chanter au conservatoire. Elle cherchait quelqu'un pour un duo et on m'a dit qu'elle payait bien. Vous l'avez déjà entendu chanter, vous? Non. Mais elle chante surtout pour ses amis, je crois. Dans son cercle. Il paraît, oui. Ça va bientôt être nous, mademoiselle. Je suis vous. C'est parfait. Merci. Mais elle va pas descendre vous écouter, la Marguerite? Elle est déjà en train de nous regarder, si vous voulez savoir. Comment ça? Il y a des trous dans le grand tableau du salon. C'est le pianiste qui m'a